Est-ce qu'on s'intègre parfaitement aujourd'hui? Ah, comme ça, pas de panique. Ah, après une bonne nuit de sommeil, ça va mieux. Attendez, parce que j'ai un peu soif. Ou d'ailleurs, il faut que j'aille faire le plein de petites bouteilles d'eau, hein. Ah, ça rafraîchit. Putain, quoi, je passais, j'ai vu que Manuel, là, il est venu faire la maintenance de la trancheuse à saucisson. Regardez. Regardez, on a la trancheuse à saucisson. Et si on faisait des saucissons? Attendez, où est ce... Oh putain, tout le vin. Putain, il y en a des bordels là. Pourquoi il y a une clé de voiture et des couteaux là? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Putain de merde. Alors on a dit les intestins. Et le porc. Putain, c'est bon. Alors. Putain, on lui fait 3 par 3. Mais on va avoir plein de saucissons. Putain, c'est Jackie qui va être content. Attendez. Qu'est-ce que ça donne ça? 76 saucissons. Oh, va falloir aller chasser. On va chasser aujourd'hui, tranquillement. Tranquillement. Alors attendez, parce que j'ai bien trop de bordel là-dedans. Le saucisson aussi. Faudrait le mettre au frigo, hein. Bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Est-ce qu'on n'irait pas chasser du saucisson? J'ai eu Jackie au téléphone, il va me rejoindre tout à l'heure. Je vais peut-être aller m'acheter une petite voiture aujourd'hui et puis on va sur la ferme tranquillement. Alors, attendez. Je sais pas si je dois faire la chasse à la voiture ou la chasse au fusil. Qu'est-ce qui est le mieux? D'ailleurs, j'ai reçu un message de Tom Harris. Il m'a dit dans la journée. Ah putain, peut-être que je dois l'appeler. Je vais attendre que Jackie vienne pour qu'on fasse les affaires. Comme ça, on se débarrasse de toute cette vinasse là de merde. Et comme ça, on aura du saucisson. Il y aura du beau stock de saucissons. Putain, je vois pas de cochon. Ah, s'il n'y a pas de cochon ici, on va les chasser sur le domaine de Benedicto là. Ah non, c'était Donatello, je me souviens plus. Pas de vache, pas de cochon. Oh, je me posais une question, attendez. J'ai vu hier en me baladant qu'on pouvait avoir du lait frais là, à part ici là. Ou c'était plus loin? Je me souviens plus. Elle est où la vache? Je crois que c'était là-bas. Peut-être que les cochons ils sortent que la nuit? Je sais pas. Attendez, attendez. Ah! Petite bouteille de lait? Hop. Voilà. Attendez, attendez. Est-ce que ça hydrate? Putain, quoi, ça hydrate bien! Oh, je vais garder ça là! Oh, comme ça, je vais avoir des os bien solides, bien costauds! Oh putain! On va pouvoir prêcher la voix des produits laitiers! C'est pas refait ça! Peut-être pas. Oh, putain! C'est quoi cette ombre bizarre? On va peut-être pas en donner au prêtre, hein, parce que ça peut être confondu avec autre chose! Eh la vache! Attends que tu as donné ton lait. Est-ce que tu me donnes aussi du saucisson? Vas-y, donne-moi du saucisson.
Ah, pas refait! Tu m'as donné un saucisson. J'aime ça. Vous savez, chez les Pagnolès, on fait du saucisson de cochon, mais aussi du saucisson de vache. On peut avoir des patates. Attendez, je vais refaire un peu mon inventaire. Je vais déposer des choses à la ferme. D'ailleurs, Jackie m'a parlé d'une ferme habitable. Je sais pas où c'est là, faudra que je lui demande. Alors attendez. Tinko, on peut déposer ça là. On peut déposer la canne à pêche, ça me bat les couilles. Une langue de bœuf, je me demande qu'est-ce qu'on peut en faire de ces conneries. Je vais arrêter les sandwichs, je préfère manger les petites fraises. Ceci dit, attendez. Parce qu'il y a des trucs, on s'en bat les couilles, ça. On s'en bat les couilles, ça. De quoi on s'en bat les couilles aussi? Putain, sanglanté, Jackie, pourquoi t'as stocké ça? C'est comme ça qu'on a des problèmes avec l'ordre établi, après le couteau rouillé et tout. Après, on nous prend pour des mafieux. Y'a rien qui va. Putain, on s'en bat les couilles. Putain, on a des trousses de premier secours, c'est intéressant. Nos objets de famille. Le montre en or, peut-être les garder, les lingots aussi. On les garde, on les garde. C'est vrai que je pourrais peut-être me prendre un peu des Big Mac. Si je gardais des Big Mac. Putain. Oh, il y a des vieilles cartes bancaires. Ça peut servir ça. Oh, j'ai dérapé sur le couteau rouillé, c'est dangereux. Ça va mieux, j'ai failli me couper, mais j'ai préféré esquiver. Putain, c'est bien, ça pèse rien ces conneries là. Pourquoi j'ai besoin d'une pommade? Non, ça bat les couilles, ça bat les couilles. Attendez. Se prendre un petit menu Big Mac là, ça va faire du bien. Ah. Où est-ce qu'on va chez mon bazuac? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de cochons là. Ah mais si, ah, je voulais récolter. Ah mais non, mais je voulais manger des fraises, mais c'est pas grave, j'ai les Big Mac. Je voudrais m'acheter ma nouvelle voiture aussi. On a des remorques et des cabines. Je sais pas si je dois transporter des trucs. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va chasser du. Putain, c'est vrai qu'on pourrait prendre un petit chien pour défendre le territoire. Je cherchais. Oh putain, attendez, on n'est pas allé voir l'aéroport là, qui est chez nous. Moi, je cherchais la petite baraque. Je sais pas où elle est. Peut-être par là. Là, ils vendent des habits de fermier probablement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur mon GPS? Putain, là on peut vendre les farines, ça sert à rien. Ça sert à rien, qu'est-ce que c'est que ça? Accessoire. Là, je vais aller voir pour changer de voiture parce que j'en ai un peu marre. Attendez, j'avais pas mon vélo. Est-ce que je vais faire quand même pour amener les deux voitures? Putain. Putain, quoi, c'est compliqué. Attendez, monsieur, vous pouvez m'emmener? Putain, le con là, il s'arrête pas. Quelqu'un qui peut m'emmener? Attendez, je vais faire du stop. Ah, voici une voiture. Monsieur! Oui, bonjour, je voudrais aller chez le concessionnaire automobile, vous pouvez m'emmener? Merci, ah, c'est sympathique. You fucking...
C'est gentil, c'est gentil. Merci, messieurs. Quelle générosité. Ils sont sympathiques, les gens qui passent près de la ferme. Non, parce que le van, c'est bien pour aller vendre le saucisson. Mais je voudrais une voiture de représentant. C'est vrai qu'on aurait pu appeler un taxi, mais bon, est-ce qu'on serait allé aussi vite aller chez le concessionnaire? Et les phares, ils sont bizarres, hein. Ils éclairent plus sur le côté. Pas mal cette voiture, il va franco. Et vous savez, chez les Pagnoles, on aime la nature avant tout. Je pense qu'il est grand temps de passer à l'électrique. Je crois qu'il y a un radar par ici, je me souviens plus. Ah non, c'est peut-être plus loin. Je crois que j'ai plus beaucoup de points d'ailleurs, attendez. Putain, il me reste plus qu'un point. C'est chaud un peu. Peut-être falloir repasser le permis. Je sais pas. Mais je me dis que si je circule... Ah, il faudrait peut-être que j'enlève la plaque d'immatriculation. Comme ça, je perds plus le dernier point. Non, parce que j'ai pas envie de discuter pendant 200 000 ans, là, avec monsieur le muet, là. Casse les bonbons. Déjà qu'on doit rester 45 minutes avec eux, et en plus, ils parlent même pas. Et on doit payer 100 balles... Non, c'était combien? Ah, non, ça va, c'est pas trop cher, 10 balles pour ça. Mais bon, putain, 10 balles... 10 balles pour faire du babysitting à un muet, là, oh, ça va, hein. Peut-être une petite moto aussi, oh petit, je sais pas. Je crois que c'est par ici qu'il y a un radar, on va tester. Eh non, il n'y a pas de radar par ici? Incroyable. C'est bon, j'ai trouvé la solution. On n'a pas perdu de points, pas perdu de pognon. Oh putain. Putain, j'ai trouvé la faille spatio-temporelle de la police. Putain. Bah, nous voici chez le concessionnaire. Ah, ça va, c'est l'après-midi, les flics qui font de dos. On va se garer proprement. C'est pas notre voiture, évidemment. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'il va nous proposer? Oh, la police arrive. Ah, attendez. Qu'est-ce qu'on a? Une compacte? Putain, c'est quoi ces voitures? 170 balles la bagnole. Mais c'est quoi ces merdes là? Putain, ça pue la merde. Pas rouler avec... Putain, mais ça coûte une fortune, c'est quoi? Ah non, je vais pas rouler avec ça. Qu'est-ce qu'on a en voiture sportive? Ça va avoir un peu plus de gueule. Pas de voiture électrique, hein. Oh, une coquette. Une super sportive. L'américaine, attendez, on va directement. Ah ouais, non, mais c'est là, ça, c'est les vieilles américaines. Vous savez, moi, je suis à Marseille, j'ai pas l'habitude de voir ça avec de bro. Putain, une petite Mustang. Attendez, super sportif. Ah putain, oui. Alors, on commence à parler. Mais elles sont où les électriques? Oh, une électrique! Une Voltique! On va casser la tirelire. Pas beaucoup d'électriques.
crafting, ça commence à faire un peu cher. Hein. Oh, une électro... Oh! Oh, elle est belle, celle-là! Oh! Qu'est-ce que vous aimez passer, là? Putain, l'autre, elle est... Pourquoi elle est beaucoup plus chère, celle-là? Ah, elle est un peu plus sobre. Heureusement, ma paye de patron. C'était la dernière. Putain, j'hésite. J'hésite, ça c'est. Ça va peut-être pas aller dans les champs alors que ça. Ça va tranquille. Attendez, attendez. Regarde s'il y a d'autres électriques. Faut voir absolument tous les modèles. Putain. Putain, on dirait ma voiture. On dirait la voiture que j'avais à Marseille. C'est vrai qu'elle ressemble un peu à ma voiture de Marseille. Mais bon, ça fait un peu plus berline américaine. Ah, pas en noir, hein. Pas une autre couleur, putain de merde. En blanc? Ou en bleu? C'est relativement sobre, mais ça ne jette pas autant, je suis pas sûr. Est-ce que ça... Eh, ça en jette moins que celle-là. Bonne celle-là est un peu chère, hein. Puis celle-là, elle fait un peu kicker, j'ai passé l'âge. Il faut que je réfléchisse. Que je réfléchisse. Est-ce qu'on fait... Attendez, parce que l'autre, c'est une peut-être une... Ah, il y a quatre places là-dedans. Ah, on peut emmener les enfants aussi. Amener les enfants là aussi. Elle est sympathique celle-là aussi. Mais alors. Ressemble-moi à la berline, ça c'est peut-être un peu trop berline. Mais est-ce que j'ai besoin d'enfants? Les enfants on les a laissés à la maison. Oh là là! Le doute est immense. Je me dis celle-là elle doit être un peu plus rapide. Attendez, le coffre, le coffre. Ok. Ah, le coffre là il fait à peu près la même taille de l'autre côté. Parce que le coffre c'est important. Ah, celui-ci il est un tout petit peu plus grand. Pour transporter le saucisson. Moi j'aime bien celle-là. Bon, il faut qu'on aille chercher le pognon par contre. Allez. Putain, ma voiture volée a disparu. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon, attendez où? Y a pas un petit distrib... Ah, y a la banque est juste à côté. C'est bien fait, c'est bien fait, c'est bien fait. Oh, je vous ai pas dit, hier j'étais un petit peu en ville. J'en ai profité, j'ai vu des petits appartements à vendre. J'en ai profité pour m'acheter un petit appart, c'est juste pour être tranquille. Parce que bon, la maison au bord de la plage elle est sympathique, mais il y a trop de touristes l'été. Attendez, la banque, elle est où la banque? Par là, la banque? Plus loin. Il y a un peu trop de touristes l'été, donc j'ai préféré aller un peu sur les hauteurs. Attends, on retire à combien? 200 000 balles? Hi there. Mais on retire 200 000 balles? Ça devrait suffire 200 000 balles pour tout acheter. Hi there. Salut mon pote! Salut! Sympa la coupe! Ah, merci, merci. L'Amérique avant tout. Ouais, c'est important. C'est quoi ton Hi there. Nom? Patrick Opagnoles. Ah, c'est toi qui as gagné la course hier, non? Ah oui, les muscles de Marseillais, tu sais.
Putain, c'est bien ça, mon pote. C'est l'entraînement. C'est bien. Bonjour, monsieur l'agent. Bonjour, monsieur l'agent. Au revoir, bonne soirée, messieurs. Bonne soirée. Petit con. Que soit discret avec la mallette. Hein. Pas qu'on se fasse braquer. Hein. Attendez, attendez, c'était par où? Y'a du monde dans cette banque, hein? Ah, on est devenu des stars depuis qu'on a gagné la course! Incroyable! Il me semble que c'était par ici? Ah, je me souviens plus. Ah, si. Des gens qui me tournent autour, ça me paraît bizarre. Bon, attendez, attendez. On a dit. Ah, on a dit une petite néon. Qu'est-ce que vous en pensez là? Elle est jolie la néon. Donc, ah, ouais, je préfère la néon. Hein. La néon, ça me plaît parce que bon. Les autres, c'est quand même un peu trop cher. Et puis, je sais pas, la moins le swag. Oh, celle-là, c'est un peu trop abusé. Ouais, ouais, la néon. Une petite néon. Boum! Dans le garage! Allez! Il faudrait peut-être que. Oh putain, il y a la police, on va peut-être appeler un taxi, eh. Peut-être appeler un taxi. Pas une borne de téléphone. Ah non, mais je peux appeler directement. J'ai besoin d'un taxi pour l'aéroport. Rapide taxi. Bonjour, j'aurais besoin d'un taxi pour la pour le garage public de l'aéroport. Je suis actuellement chez le concessionnaire. Automobile. D'accord, un taxi. Hein. Putain, on peut nous contacter le blé d'or. Il faudrait d'ailleurs qu'on demande les frères JPP. Hein. Putain, la police circule partout. C'est dangereux. Ah putain, j'ai oublié de dire vive l'Olympique de Marseille. On va voir s'il y a des taxis. J'espère qu'il est là, hein. Oh! Ah, le salaire qui vient. Oh, les affaires sont bonnes avec tout ce qu'on a vendu hier. Tout va bien. Il faudra qu'on passe chez Weasel News pour qu'il fasse une petite promotion. Une petite promotion de notre entreprise familiale. Après, une fois qu'on aura la voiture, on ira récolter un petit peu. Il faut travailler quand même un petit peu aujourd'hui. Il faut pas déconner. C'est bien de dépenser un petit peu du pognon. Mais bon, il faut le récolter le pognon parce que bon. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de taxi. On va devoir se taxer tout seul. Ah putain. Ça circule. Tico, c'est une entreprise de taxi, c'est pas fou, hein.
Combien il me reste de pognon? Ah ouais, quoi, faire quelques améliorations. Bon! Il va falloir qu'on tacle aussi. Attendez, il y a peut-être un vélo qui traîne quelque part. Ding. Bonjour mademoiselle! Oh, vous m'avez roulé sur le pied, mademoiselle! Oh! C'est pas comme ça qu'on fait avec les piétons! Bon, écoutez, je suis enclin à ne pas faire de constat, mais à une seule condition. Merci mademoiselle. Ah putain de merde. On va s'arrêter tranquillement. Oh là, oh là. Doucement monsieur l'agent. Bonjour monsieur l'agent. Bonjour Pagnolet. Oui bonjour. Mais qu'est-ce qui s'est passé là, dis donc? Eh ben justement. Oui. J'allais vous dire, j'appelle un taxi. Oui. Et cette dame arrive, elle me dit qu'elle est taxi. Ah, alors oui, mais... oui, au moment où je vais pour grimper dans le taxi, elle me roule sur le pied. Ah. Alors évidemment j'ai un peu mal au pied, mais je peux toujours conduire et j'allais me mettre en route vers le commissariat le plus proche pour dénoncer cet acte de malveillance. D'accord. Je peux vous dire à mon avis ce que je pense, moi, parce que vous savez qu'on est des unités d'élite du LSPD. Hein. Ah mais oui, je ne mettrai jamais ça en doute, monsieur le commissaire. Alors je pense que vous avez été à la banque place centrale pour retirer de l'argent, vous avez été acheter un véhicule au concessionnaire, vous avez appelé un taxi mais personne n'a répondu, vous avez attendu 2 minutes et vous en avez eu marre, vous avez volé une voiture. Jamais je ne volerai une voiture, nous ne sommes pas comme ça les Pagnolès. Je pensais que c'était mon taxi. Vous savez, monsieur j'ai un Pagnolet, peu de myopie avec mon âge, c'est une erreur commune. Je m'en excuse. D'accord. Et donc les taxis maintenant, ils sont décapotables comme ça, je sais pas, j'en ai jamais pris. Mais oui, je crois que les affaires marchent bien. Hein. Oui. C'est les nouveaux taxis un petit peu rétro comme ça, ça rappelle l'Amérique d'avant. D'accord. Ouais, d'accord, je vois le genre. Et ils vous mettent une petite bouteille d'eau derrière et tout, non? Si vous lâchez un petit pourboire à la fin. C'est même des petites bouteilles de lait, regardez. Oh, regardez, ils mettent des petites bouteilles de lait comme ça, ça permet de rafraîchir tranquillement. D'ailleurs, il faut que je les appelle pour leur proposer de mettre du saucisson aussi derrière. Oui, d'accord. Alors, par contre, leur donnez pas de fraises. Hein. Parce que hier, j'avais des fraises à tout le monde est tombé malade. Hein. Tout le monde a eu la chiasse. Hein. Ah oui, je vous assure. Hein. Vous demanderez au pasteur. Hein. Il était malade comme un chien. Ah merde. Ah oui. Enfin, j'étais gêné, moi. Ah, mais. Je comprends pas, on les a goûtés, nous, on n'a pas eu de problème. Est-ce que ça veut dire que quelqu'un les a empoisonnés? Mais je sais pas. Bon, enfin bref, le souci, c'est pas les fraises. Hein. Le souci, c'est la voiture que vous venez de voler, monsieur Pagnolet. Ah, mais j'allais la ramener au commissariat pour justement me plaindre. Bien sûr, le commissariat, monsieur Pagnolet, c'est là-bas. Hein. Ben oui, mais il fallait que je fasse le tour par ici parce que j'avais pas la priorité. Je pouvais pas tourner. Bien sûr. On venait sur le trottoir, on se met en sécurité. Oui, tout à fait. Bon, monsieur Pagnolet, vous allez avoir une amende de 500 $ pour vol de véhicule. Ah, je ne faisais que mon devoir, mais je comprends votre point de vue, tout à fait. Alors, il faut faire attention, hein. Oui, je ferai plus attention, je ferai attention qu'ils aient bien leur plaquette taxi dorénavant. Est-ce que vous voulez que je vous amène au garage de l'aéroport? Ah, mais c'est avec grand plaisir, je veux bien. Eh ben allez, voyez. C'est gentil, monsieur. Je suis pas flic, hein, je suis gentil aussi. Hein. Ah, ben vous êtes un très... Je peux monter à la main? Oui, allez-y, si vous voulez. Oh là là, en plus, avec les sirènes et tout. Mettez ceinture. Oui. Ah, excusez-moi, je ne l'ai pas trouvé tout de suite. J'étais émerveillé par toute cette technologie. Vous voulez que je mette des coups de ping-pong? Ah, je veux bien. J'ai toujours rêvé ça, étant enfant. Oh, quel plaisir. Oh là, ils sont dangereux, ils le respectent pas ici. Ne vous inquiétez pas, vous êtes avec les unités d'élite du LSPD. Ah. Je n'en doute pas. Et vous savez, avec cette voiture, je ne voulais faire que mon devoir, monsieur. Oui, ben je me doute bien. Je me doute bien votre devoir d'aller chercher votre nouvelle voiture au garage de l'aéroport. Ah non, de la ramener au commissariat pour signaler... Oui, bien sûr, oui. Il y a un petit problème avec votre portière, je crois. Oui. Un truand vous l'a abîmé? Parce que... C'est laquelle de portière, la mienne? Oui, c'est la vôtre. Hop là, voilà. Eh ben écoutez, merci à vous, monsieur l'agent.
Mais non, il n'y a pas de quoi, vous avez payé 500 balles, à me remercier pas. Hein. Pas de soucis et vive le SPD. Oui, vive le SPD, oui. A bientôt, monsieur l'agent. A bientôt. T'es une plus chère, qu'est-ce qui s'est passé avec les fraises? On va rouler doucement. On va rouler doucement. Oh putain, faut que je regarde où on doit, où y a des petites des petits superchargeurs. C'est bon, ça va. On va rouler tout doucement parce que ça me paraît être dangereux là avec la police dans les avions. Eh ben dis donc, ça rapporte le saucisson, monsieur Pagnolet. Eh ben oui, les affaires vont bien, les affaires vont bien. On a pu vendre pas mal de saucissons. Vous avez bien raison. Allez, au revoir. Au revoir. Putain, ça veut dire que ça, on va être sous le radar. Je vais dire à Jackie de faire attention. Putain, je fais le con. Bon. On va rouler tout doucement pour éviter la bonne. Oh, sous tout bruit de véhicule électrique. Que j'aime ça. On met le clignotant. Y'a personne, on peut y aller. Bon, il faudra qu'on trouve une solution. Il va falloir les nettoyer, ces fraises. Je comprends pas pourquoi ils ont eu la chiasse. T'es Jackie, on a dû mélanger ça avec la graisse animale et merde. D'ailleurs, Jackie est toujours pas là, attendez. Il s'est toujours pas réveillé, putain, Jackie fait la grasse mat. Respecte le stopping. Faut que je fasse attention, heureusement qu'il me restait un point. Il est pas là, je crois qu'il dort toujours, on va l'atteindre. Et si on change la couleur du véhicule, peut-être qu'on n'aura pas de soucis. Peut-être que le commissaire ne reconnaîtra plus. Oh, quelqu'un ici là. Bah. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Si on changeait un petit peu le moteur. Petit meilleur moteur. Si on mettait un petit turbo, oui. Des meilleurs de freins. C'est important pour éviter les collisions. Un meilleur blindage. Qu'est-ce qu'on met? On met des suspensions. C'est bien de mettre des suspensions de compétition. Comme ça on aura. Putain, le klaxon, il faut que je... Ah, attendez, la couleur. Je crois que si je dis pas de bêtises... On peut tester le klaxon. Je connais pas les klaxon. Un petit klaxon de camion. Qu'est-ce que vous avez pensé? Ils sont tous pas mal. Oh, ça fait très saucisson ça. Allez, oh. Putain, ça continue pas, dommage. Ah, cela il fait un peu mystérieux celui-là. Oh putain! Oh c'est Jackie! Oh merde, j'ai acheté le klaxon. Oh Jackie! Allo! Allo Patrick, comment ça va? Ça va et toi Jackie, ça y est, t'es enfin arrivé? Oh, excuse-moi, je t'ai réveillé avec mon téléphone. Je vais peut-être faire un petit combat juste après parce que j'ai toujours pas arrivé, ce que j'attendais, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que tu fais? T'es où? Tu travailles pas? Écoute, j'ai travaillé un petit peu, mais là je me suis fait un petit plaisir. Je suis allé acheter un petit véhicule. J'ai pris la Tesla, oh, la Tesla elle est incroyable. Alors par contre Jackie, faut qu'on fasse attention, il m'est arrivé une petite embrouille. Quoi, t'as plus de permis?
Non, non, j'ai toujours le permis, il me reste un point, t'inquiète, je m'y accroche, mais en fait, y avait pas de taxi, tu vois, j'ai appelé le taxi, j'ai attendu, puis j'étais pressé d'avoir ma nouvelle voiture. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et du coup, ben, j'ai cru qu'il y a une voiture qui arrivait, que c'était un taxi, mais en fait, c'était pas un taxi, bon, du coup, j'ai éjecté un peu le conducteur, parce qu'en plus, il a essayé de me rouler sur D'accord. le pied, bref. Ouais, je vois. Et pas de chance, il y avait le lieutenant qui était là, juste derrière, et du coup, il m'a arrêté. Ah merde! Du coup, Bon. t'es en prison? Non, je suis pas en prison, t'inquiète pas. T'as besoin que je vienne te chercher ou ça va? Non, non, c'est bon. Il a été d'accord pour oublier toute cette histoire contre 500 balles. Donc, bon, écoute, je pense qu'on peut le souhaiter. Par contre, il m'a raconté une histoire, il faut qu'on fasse attention. Et apparemment, hier, tu sais, les fraises qu'on a vendues, apparemment, ils les ont distribuées dans le commissariat. Et apparemment, tout le monde a eu la chiasse. Je comprends pas qu'est-ce qui s'est Ah passé. merde! Après je sais pas ce qu'il utilisait comme engrais le vieux, c'est tout nouveau donc ça se trouve. Ouais, il faudra qu'on nettoie un peu les champs, hein, parce que ça Ouais, peut on être va nettoyer ça dangereux. tranquillou, ouais, bien Mais j'ai sûr. pas eu de problème, hein, je sais pas, faudra qu'on fasse attention. Ça marche. Du coup, pour le saucisson, ça se passe quand même, on peut le faire maintenant? Ouais, on peut le. J'en ai fait fabriquer un petit peu, il y a Marcel qui est passé et qui a changé la planche à découper. Maintenant on peut faire du saucisson directement là où on peut faire le pain et tout, tu sais, dans les D'accord. cuisines derrière. D'ailleurs, hier soir, quand t'es parti te coucher, j'ai. Le mec qui gère les American Restaurant là, il m'a appelé. Ah, il voulait Il une m'a fait une commande? com il me fait Ah, la commode elle est énorme, il y a tellement de trucs, il faut que je te dise tout. Oh Mais putain, bah écoute, en tout la facture il y en a pour 50 000 ou 60 000, faut voir. Oh putain, oh, bah écoute, je finis de customiser un peu le véhicule et j'arrive, je te rejoins à la Ça ferme. marche. Putain, il y a un malade qui passe à côté de chez nous. Ah, incroyable, incroyable. Allez, à toute. À toute. Alors putain. Alors attendez, on a été où? Ah, la peinture, ok. Qu'est-ce qu'on fait comme petite peinture? Oh putain, le chrome, c'est beau. Hein. Ça envoie. Petite peinture bleue. Petite bleue comme ça. Comme la Tesla que j'avais à Marseille. Une voiture rose, ça ne s'oublie pas. On sera assorti avec Jackie. C'est un bleu traditionnel. Oh, celui-ci est un peu trop ultra. Attendez, et mat. Ah non, mat, c'est pas très joli. Petite bleu métallique. Un petit rose métallique, il en jette aussi. Je suis pas sûr. Ding. On peut pas nous rater, hein. Après, mon âme de Marseillais me dirait quoi? Petite bagnole rose. J'ai toujours rêvé d'une bagnole rose. Secondaire. Secondaire, c'est les rétros. Les rétros, ça me bat un peu les couilles. Faire un petit noir au carbone. Allez, c'est parfait. Fait que sinon, on pourrait faire. Ah, on aurait pu faire. Attendez, j'ai pas pensé. Le bleu de l'OM, de l'Olympique de Marseille, dingue. C'est un peu ça le bleu de l'OM. Mais est-ce qu'il est aussi beau que le bleu de l'OM? Ah, c'est les couleurs de l'Olympique de Marseille. Mais le rose comme le saucisson, j'avoue. Rose comme le saucisson. Alors attendez, on a tout. Qu'est-ce qu'on n'avait pas amélioré? Plaque, on s'en bat les couilles. Quoique les plaques, ça peut être. Attendez. C'est bon parce qu'on voyait plus la couleur, ça allait pas. Un petit aileron ou pas? Ah non, ça fait un peu too much l'aileron. Oh, des bas de caisse. Ah, je sais pas, le noir c'est bien aussi. Mais tout rose, c'est pas mal.
les frais, on a fait suspension et blindage turbo, alors on a dit non. Oh, le capot. On peut faire des petites bends. Ah non, ça fait trop sportive. Oh, on peut enlever les rétros. Ça me bat les couilles. Oh, le klaxon. On n'avait pas tout fait, le klaxon. Un peu mystérieux, j'aime bien. Bon, je crois qu'on avait trouvé notre klaxon ring. On fait celui-là ou pas? C'est parfait, c'est le klaxon saucisson ça. Oh, les fenêtres, ah! Pas qu'on nous voit, hein. C'est important. Ah, les lumières, les phares. On peut acheter des phares Xenon, je prends, ce sera mieux éclairé. Petit néon, c'est important. Et on prend quoi? On prend le bleu de l'Olympique de Marseille ou on reste sur le rose? Je pense le bleu de l'Olympique de Marseille, j'aime bien. Allez, le bleu, un petit bleu de l'Olympique de Marseille. Une petite, un petit retour de l'Olympique de Marseille. Ah. Du mal. Quelle fenêtre on a fait? Les jantes. Oh, les jantes. Prends des petites jantes agressives. Je sais pas. Muscle. Elles sont dégueulasses, le sport. Elles sont dégueulasses. Tuner, qu'est-ce que c'est? Ah putain, c'est de la merde, y'a que celle-là qui se sème pas. Ah, des petites jantes comme ça, là, celle-là, j'aime bien. C'est discret. Ok, les jantes c'est bon, lumière c'est bon, les pare-chocs. Qu'est-ce qu'on peut changer? Ah oui, on prolonge le rose. Les pare-chocs derrière aussi. Ah non, c'est bon, on laisse le petit rose qu'on avait. Mais je crois qu'on a tout fait! Petit con. Faut que je mette le limitateur, hein. Pas refait, petit. On va si vite! Oh putain, con! Attendez. Bon, on va tester la voiture, tant pis pour le permis. Hein. Je sens qu'il va sauter. J'appellerai Jimmy, tant pis, hein, il viendra me chercher en prison. Peut-être pas en ville, mais sur l'autoroute. Faudra que je trouve où recharger ma bagnole par contre, hein, parce que la batterie elle descend. Faudra avoir mis des néons. Vérifier qu'il n'y ait pas trop de policiers, hein, parce que les policiers ils rôdent, hein, ils sont toujours partout. Oh bon dieu! Oh quel plaisir! Attendez, qui m'a envoyé un message? C'est Jackie. Ah, sur Candy... Ah, Candy Crush, ça va, saga. Let's go, on joue en conduisant. Oh, quelle discrétion cette bagnole! Faut faire attention, je crois qu'on est pas très loin du Comico là. C'est 5 balles d'amende que j'ai dû payer, putain. Quelle arnaque! Ouais, ça va, hein. C'est une minute de travail, hein. Heureusement qu'on est des grands patrons. On est sur l'autoroute, je crois. Putain, y'avait un radar!
Bon, l'esquive. Oh, Jackie va halluciner quand je vais l'emmener avec moi. La vitesse de pointe, c'est limité, hein. Je suis un peu déçu. Hein. C'est peut-être parce que j'étais en montée, mais normalement j'ai plus de puissance que ça. Putain, elle est bridée ma bagnole, là. Putain, ils m'ont pas dit ça. Les voitures de flics, elles sont pas bridées. Hein. J'aimerais utiliser le turbo, mais j'ai pas le mode d'emploi. Je sais pas que je... Je sais pas comment on utilise le turbo. Oh, ça va, on va quand même à une vitesse honorable. Avec ma Tesla, j'allais plus vite, hein, quand j'étais à Marseille. Sympathique ce petit tableau de bord. Ah putain, je viens de perdre mon permis, putain de merde. Je le savais qu'il fallait que je conduise plus doucement. C'est pas grave. Moi, je prendrai plus d'amende. Bah c'est bon, la police me poursuit pas. Pas grave, c'est pas grave, on passera le permis, on fera les petits trucs, on driftera et comme il se doit. Par contre, j'espère qu'on peut recharger à la ferme. Hein. Oui, où Jackie, il est où Jackie? Préféré. Putain, ah j'ai hésité. Mais attends, ça va être. Oh, et oh, grimpe pas sur ma bagnole, putain, tu vas mettre une rayure. Oh putain, ça glisse. Oh putain, putain, tu vas la casser là. Attends, je peux pas bouger. Ah, c'est bug, merci. C'est bug. Ça glisse ta bagnole. Ouais, elle glisse un peu. Non, mais si tu la voudras en rose, moi j'ai hésité avec les couleurs de l'Olympique de Marseille. Bah écoute, moi tu sais, moi je prends tout en rose, moi donc. Et sympa. Et attends, t'as pas... tu veux faire un petit tour avec? Faut parler plus fort, t'as fermé la fenêtre. Attends. Tu veux faire un petit tour avec? Ah bah faut qu'on travaille, là j'ai une grosse commande, mais faut que je te dise ce qu'il faut d'ailleurs. Mais viens, je t'emmène juste faire un petit tour sur l'autoroute. Mais j'ai pas pu ça à foutre. Hop, non, attends, je suis trop poli là. Oula, je suis trop poli. Oh, je suis pas un tac aussi, putain, on est frères quand même. Eh putain, Jackie là, monte devant là, casse pas les couilles. Emmenez-moi au cinéma, s'il vous plaît. N'oublie pas la ceinture. Voilà, nickel. Par contre, il va falloir que je repasse mon permis, hein. T'as plus le permis? Je l'ai, mais bon, il y a plus beaucoup de points. Tu restes combien? Moins que 1. Ah, bah. Écoute, tout à l'heure, il faudra que je voie pour aller passer le permis pour l'avion. Donc, au pire, moi je ferai l'avion, toi tu feras la voiture. Je ferai la voiture, oui. Oh, le salaire, ça fait plaisir. Putain, bon, du coup, tu veux que je te dise la commode de ce qu'on a? Vas-y, parce que vas-y. C'est quand même assez énorme. Fais-moi rêver. Du coup, le Devon O'Donis, tu sais, qui bosse à l'American Restaurant truc là. Ouais. Il a fait une grosse commande, du coup il veut 16 œufs farine, bon ça c'est pas compliqué à voir. Par contre, le plus compliqué c'est qu'il veut de la viande de cru. Donc en fait tout ce qu'on va récupérer aujourd'hui, il faudrait qu'on le garde pour la commande. Il en veut combien de viande de cru? Il veut 100 viandes de cru de vache. Tu sais, c'est qu'il ressemble au jeu cubique là. Ouais. Et il en veut 200 de porc au cru. Ah ok, oh, ça va, c'est faisable. Bah je lui ai dit autour des 50 000, mais je pense qu'on va doubler le prix parce que c'est compliqué à avoir, tu vois ce que je veux dire? Ouais, on va dire il y a une taxation. Voilà, il veut 100 pain, il veut 200 patates, 200 fraises et 100 bouteilles de lait. Moi je vais récolter les fraises si tu veux. Bah tu pourras faire le lait aussi. Ouais, le lait et les fraises. Pour la viande, du coup, vu qu'on n'est pas non plus fini au niveau des vaches, je pense qu'on va doubler. Je pensais à 100 unités, je pensais à 200 unités, je pense.
Donc on tâterait, je pense, pour la viande de cru de vache par exemple, on tâterait du 20 000. Ouais. Pour les seins, et pour la viande de porc, bah 40 000. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc ça monterait la facture à 60-70 000. Mais ça reste honorable, c'est du travail, ouais, c'est travail honnête. Ça me paraît bien. Alors t'as pensé quoi de cette... Bah écoute, ça booste en tout cas, c'est pas mal. Je sais pas, je vais m'acheter la même. C'est la néon, c'est la néon, et normalement... D'ailleurs, j'ai une notification, j'ai eu le... Tu sais, le mec qui fait les customs, là, il m'a rappelé. Ah, parfait. Il m'a dit que normalement ça devrait être bon, il faut qu'on aille au truc LS Custom, je sais pas où c'est, par contre. Ah, putain, il faut qu'on trouve où c'est, alors... Faudrait qu'on voit, mais apparemment il l'a mis, mais je sais pas s'il a bien floqué ou pas, faut qu'on voit. Et on peut floquer sur les bagnoles ou pas? Bah écoute, faut déjà qu'on voit sur le van, ce que ça donne, parce que c'est quand même pour le van à la base. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Puis si ça rend pas bien, je lui enverrai un message pour lui dire, bah, par contre, fais mieux ton travail. Ouais. Par contre, t'es tellement silencieux, c'est incroyable. Et c'est le bonheur des voitures électriques, t'as vu? Et en plus, je sais pas si t'as vu, mais la station essence, c'est pas de chez nous. Ouais. Pas celle qui est chez nous, mais celle qu'on a passée là. Elle recharge à l'électrique. Ah, elle recharge, oh, trop bien. Et chez nous, c'est ça marche ça. Pas, on a pas de prise. Non, on a que le. Oh putain! Putain, le co, il a pas regardé où j'allais, c'est pas grave. Chez nous, y a que les essences, parce que c'est pour les camions de l'entreprise normalement. Ah d'accord. Et vu que les camions de l'entreprise ils sont pas électriques. Je comprends. Ah ils tournent. Oh putain, tu m'étonnes qu'il y a plus de points. T'inquiète, c'est juste une petite éraflure. Bon du coup là ce que je vais faire moi c'est que je vais terminer. Putain fais attention. Je vais terminer avec le blé. Et du coup il faut que je fasse la max. Parce qu'il faut sa seule farine, il faut le ping. Oh, ok ça marche. Il faut que je refasse les chocolatines aussi parce que j'en ai plus. Tu m'envoies le... Combien de fraises? Écoute, je te dis ça, il lui faut exactement, je crois que c'est 200 fraises. 200 fraises? 200 fraises, 200 patates, donc tu fais les patates et les fraises. Je fais les patates et les fraises, voilà. Parfait. Comme ça, prends ton van. Je prends la voiture, je mets dans le coffre de la voiture, t'inquiète pas. T'as de place dans la bagnole là, t'as combien? Ah, je peux pas regarder, ah oui, c'est vrai que j'ai pas le double. C'est bon, j'ai de quoi mettre un petit peu, t'inquiète pas. T'as combien de place en tout? J'ai 5... Ah, quoi que dans le van, c'était combien? 3-5? 150 dans le van. Ah de ouais. 113 de 5 patates, donc prends le van. Bah, je prends le van. Putain, pourquoi les fenêtres... Oh putain, oui, c'est vrai qu'il y a un problème avec... Avec le capot. Bon, allez, on va récolter les fraises tranquillement. Faire un peu des fraises, j'espère qu'on va pas avoir des problèmes avec l'ordre établi. S'ils aiment pas les fraises, qu'est-ce qu'on pourra leur donner? Parce que. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des fraises? Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est quoi comme arbre fruitier ici? Ils sont derrière. Ah, c'est les tomates, ça, je crois. Il me semble que c'est les tomates. Hein? Ah, oui, c'est les tomates ici. C'est ce qui me semblait. Ah, attendez, il y avait de l'autre côté, je crois. Ouais, plus loin. Qu'est-ce que c'est? C'est des tomates aussi ou c'est autre chose? Donc, il m'a dit 200 fraises, 200 patates. Ah, c'est bon. 6 mètres. Ah là, c'est de la salade ici! Oh! Et là, y'a des trucs ou pas? Je crois qu'il y a rien là. Y'a rien. C'est pas encore à maturité là. On va chercher les fraises. Et on va mettre tout dans le van tranquillement. Vous savez, je suis multitâche. Je pense. On peut récolter des fraises et jouer un petit peu au Snake. Ça marche pas? Ah si, c'est bon. J'arrive à récolter les fraises de la main droite et Snake de la main gauche. Putain, c'est un dax, mais je suis sûr qu'on peut y arriver. Oh! Parfait. Oui, ma main gauche est à droite, je suis ambidextre.
C'est un peu loin à récolter les fraises quand même, hein. Encore. Oh! Oh! Oh mais je peux pas... Ah j'ai entendu! J'ai entendu de la viande de porc! J'ai entendu le cochonou là! Et j'espère qu'il va nous prendre nos fraises, hein, parce que si le mot est passé qu'ils ont eu la chiasse... Mais c'est pas à cause de ça qu'ils ont eu la chiasse, c'est les donuts! Alors c'est le vin de Montbazillac là! Peu cher... Ben, j'ai assez de place dans mon pantalon pour toutes ces fraises. Ouais, c'est bien, c'est bien. Team Snake, ça me rappelle mon enfance. À l'époque, il n'y avait pas ces jeux à la con, la Candy Crush. Castle bidule le truc. Clash of bordel de cul là. Oh putain merde, je me suis trompé de bouton. Oh, fait chier, 40 points. Oh putain de merde. Attendez, j'ai entendu un cochon. Une vache aussi. Petit con, c'est pas la tout. Putain de merde, quelqu'un l'a chassé à moi ou quoi? Bon, attendez, on va mettre dans le coffre. Ça fait 50 fraises, pile poil. Que 150 fraises, on peut battre notre record à Sunek. C'est reparti. Il va pas très vite là le snaking. Il est pas censé aller un peu plus vite. Vous savez, quand j'étais petit, y avait un jeu que j'aimais bien. Un jeu que j'aimais beaucoup. Ça se passait... Ah, je sais plus dans quelle ville. C'était Shikoga, je crois. Shikoga, un truc comme ça. C'était un jeu où on voyait tout de dessus. Il s'appelait GTO. C'est GTO 2, d'ailleurs, je crois. On pouvait prendre des tanks. Il y avait trois gangs différents. On pouvait les aider. Il y avait le gang des bleus, le gang des verts. Je me souviens plus, le gang des rouges, je crois. C'est cool. J'aimais bien ces jeux. Puis après ils ont fait la suite. C'était à Miyamo, là, un truc comme ça. Il y avait plein de péripatéticiennes. On est sur la plage. Mais peu cher, j'appuie sur la touche. Oh putain. Putain, quoi. C'est pas un 3210, c'est moi qui vous le dis, hein, parce que normalement le 3210 j'avais la technique. Et maintenant qu'ils font des téléphones avec du touch screen, c'est plus comme c'était, hein, moi je... C'est une époque sympathique. Je crois que j'avais le record sur Snake, hein, parce que on peut faire un certain nombre de points, on peut pas aller plus loin après. Ah, quoi qu'après ils ont fait un deuxième Snake où il y avait des trucs random, ça donnait des points random, c'était compliqué. Ça valait pas le vrai Snake. Ah putain, j'ai plus les réflexes. Putain de merde. C'est la vieillesse, hein. C'est difficile en récoltant les fraises de la main droite de jouer de la main gauche. Frais chemin. C'est pas évident, frais chemin. Ça y est, je commence à arriver à refaire le zigzag.
C'est important, c'est important. Bon, c'est qu'à... putain, pourquoi... Ah, c'est bon. Fraise, elle était cachée, là. Oh. Fraise ou des pommes, d'ailleurs, j'ai jamais su ce qu'ils mangeaient, ces petits serpents. Oh, j'ai entendu un coup de fusil, il a dû trouver du cochonou. J'entends un cochonou, je sais pas où il est aussi. Je le trouve après, quand j'aurai récolté toutes ces fraises. Putain, je commence à avoir mal au dos là, hein, de me baisser comme ça pour récolter des fraises. Putain. Pas de travail de possesseur de Tesla, ça. Putain, Jackie! Putain, j'étais en pleine partie de Snake, Jackie! Jackie? Allô? Ah putain de merde, j'avais appuyé sur le bouton mute du téléphone, excuse-moi. Ah putain, mais j'étais en pleine de partie de Snake là, ouais. J'allais faire un nouveau record. Ah, excuse-moi, c'est juste pour te dire que je pars faire de la farine. D'accord, pas c'est de tout. Soucis, écoute, voilà. je t'appelle quand j'ai toutes les fraises et les patates, de toute façon je vais mettre ça dans le stockage de la grange. Hein. Ça marche, bah excuse-moi pour la partie de Snake. T'inquiète, pas de soucis, bon farinage, tout à l'heure. Ah, attends, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des patates, des fraises et fraises, bouteille de lait. Combien de lait? 5, une centaine. 5, alors que les autres c'était 2-5, c'est ça? Ouais, 200 patates, 200 fraises, 200 bouteilles de lait. Ok, parfait, je fais ça. Et puis dès que tu vois des animaux, t'hésites pas, mais bon. Ouais, à tout à l'heure. Tout à l'heure. Putain, j'espère qu'il m'a paniqué ma partie de Snake. Oh putain de merde, il casse les couilles. Putain, Jackie, heureusement que t'es mon frère, sinon je serais venu te buter. Hein. Bon, attendez. Il nous manque combien? 54 fraises. Allez. Ouais, c'est quoi? On va se boire une petite bouteille de lait quand même. Oh, ça fait du bien. C'est bon pour les nonos. Prendre un petit Big Mac après, mais je vais prendre du bois, je serai plus aussi svelte après sur les courses. Putain, je viens de voir un article, attendez, parce que je regarde le journal en même temps avec l'autre main. Je viens d'avoir un article de Weasel News, attendez. Putain, comment on fait? Je voulais vous le montrer, mais attendez. Attendez, je vous montre l'article. Regardez, il y a un braquage à la Pacific Bank. Dimanche, ça a été braqué. Allez, hop, hop. Ils ont fait un échange d'otages. Ils ont fait péter les coffres. Ils ont réussi à vider un camion. 300 millions de dollars. Deux braqueurs en cavale. C'est encore un coup des employés, ça, hein. On le connaît. Oh putain, plus cher. C'est... Je vous ai pas mis la bonne fenêtre. Voilà. 300 millions. Ah putain. Ils connaissent pas le. Oh putain, je crois que j'en ai assez là. C'est con. S'ils connaissaient les aides de l'État pour les agriculteurs, ils auraient pas besoin de déposer. De braquer des banques. Oh, je crois que. Attendez, il m'en manque un petit peu ou c'est. Non, je crois que c'est bon. Hein. Ah non, il m'en manque 5. On va en prendre un peu plus, vous savez quoi?
servira toujours quoi qu'il arrive. Tiens, c'est bien une bonne commande. 50 000 balles, on va se faire. Oh putain. Faut faire une facture, hein. Mais alors, du coup, si la Pacifique se fait braquer, je pense qu'il faut pas laisser notre tunnel là-bas. Ça me paraît dangereux. Il faudrait peut-être que j'appelle pour faire l'échange d'ailleurs, attendez. Je vais voir s'il est là. Bonsoir. Bonjour, monsieur Brioche. Si vous êtes disponible, n'hésitez pas à me le dire pour procéder à l'échange. Saucisson contre boisson. Parce que c'était il y a 5 heures, c'était il y a longtemps quand même. Ah mais on a eu une petite aide d'état pour reprendre la ferme. Et depuis, bon, ça va. Tout se passe bien. Ah, combien on a... Ah c'est bon, on a la place. Ah, attendez, les patates, putain. Je sais où il est le lait, mais là, les patates, je me souviens jamais dans cette ferme. Je crois que c'est là, hein. Non, les patates. Ah, les patates, c'est juste à côté des œufs. On va voir pour le van, hein. Faut qu'on... Putain, il y a des gens assassinés. Oh, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh, c'est dangereux, hein. Je vais appeler Jackie là. Je lui dirai, fais gaffe, fais frère. Allô? Ouais, Jackie, putain, t'as vu? Attends, je t'attends pas, je baisse la radio. Oui, qu'est-ce qu'il y a? T'as vu, il y a un mec qui tue des mecs random dans la ville. Ouais, fais gaffe. Ça me fait un peu flipper cette affaire. Fais gaffe à toi, sors la moustiquette là. T'inquiète pas, j'ai le mousquet. T'as le mousquet, ok. Ouais, t'inquiète pas, c'est fais gaffe à toi, Jackie, hein. T'inquiète pas. Ok, des bisous. Bisous. Allez, putain. Sans patate, hein. Comme ce qu'on a à la banque, hein. Ah, ça va, un peu de pognon, merci les aides de l'État. Ça, les taxes sont pas très élevées. Ah, y'a pas eu que les aides de l'État. Hier, je suis allé acheter des bouteilles d'eau. Ben, c'était tout à l'heure, là, au réveil, j'avais soif. J'ai acheté des bouteilles d'eau, j'ai acheté un ticket de loto. Et j'ai eu les 3 télés. Alors du coup j'ai eu les 3 télés. J'ai eu le droit d'aller, je sais pas, c'était au centre-ville là. J'ai eu le droit de tourner la roue. Et la roue, j'ai eu 1 million sur la roue. Donc voilà, ça fait plaisir. J'ai du rallye ici, ah d'accord, c'était le rallye que j'ai raté. Attendez, je crois que... Ah oui. Attendez. Bouger pot, c'est pas tout, mais ça serait bien de personnaliser un peu notre fond d'écran là. On le fait quoi, en blanc ou... Ah non, en rouge, c'est mieux. Ah, attendez, c'est lequel le rouge? Non, c'est pas celui-là. Par contre, faut peut-être que je... Putain, j'entends un cochon. Putain, ça marche pas. Attendez. J'ai pas fait les choses correctement, là. Le téléphone, c'est pas compatible. Putain de merde. Attendez, on a une urgence. Mais tu te lèves pas. Non. Tu fais quoi? Il n'a pas des patates, je veux le cochonou là. Oh putain, il en avait des trucs sur lui, le con. Putain, il y a une vache là-bas, attendez.
Reste là la vache, reste là. Tu vas où Athée, j'ai plus de munitions. Bah c'est bien. Juste un petit coup dans les fesses. Ah pitié, pitié. Faut pas que je lui mette un coup de tata en état mauvais état. Attendez, attendez. Faut que je recharge. Hein. 8 balles. Ah mais on peut peut-être tous se les mettre dedans. Ah ouais, on peut tous se les mettre. C'est peut-être plus simple. Ah ouais. Je savais pas qu'on pouvait faire ça, qu'on pouvait balancer tous les chargeurs dans, dans le mousquet là. Putain, putain, c'est plus simple comme ça. Bon attendez, on retourne récolter les patates. C'est important les patates, hein, pendant que je regarde pour mon téléphone. Putain de merde. Ah, c'est bon, j'ai trouvé pour le téléphone. Attendez, attendez. Putain, con, c'est compliqué là. Oh, y'a plus de patates ou quoi? Putain, j'ai plus de place. Tenez, putain que... compliqué de faire plein de trucs en même temps. Combien j'ai de patates? Oh, ça, 50 patates! Oh, ça va, ça se récolte vite. J'ai une petite fée, d'abord, on va se prendre un petit Big Mac. Big Mac, là. Ah mais non, mais je l'ai déposé, mais c'est pas ce que je voulais faire là. Oh, je veux le manger mon Big Mac. Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu bois là? J'ai faim, moi, je veux un Big Mac là, merde. Oh putain, putain, j'ai mal au ventre, j'ai bouffé trop de Big Mac, oh merde. Putain, qu'est-ce qu'il faut pour le mal au ventre? Je sais plus moi. Je dois rappeler les pompiers là. Antibiotiques, hein? Prends un petit antibio, ça ira mieux. Ah, c'est bon. C'est bon. Bon, attendez, attendez. Presque bon, là. Je suis presque bon. Hop. Je vais mettre mon joli fond d'écran là sur mon téléphone. Cher, qu'est-ce que tu fais là? Attendez, je manipule sur mon téléphone mon logiciel. Il n'y a plus rien là. Qu'est-ce que ce bordel? Ah, voilà. Cher, c'est bon, ça a marché. Ça va être compliqué par contre. Si je fais ça. Ah putain, ça va pas. J'ai une idée. C'est bang. Pendant que je récolte des patates, vous savez, on peut faire plusieurs choses.
ta même teigne. Attendez. Il est où cet outil là? Ah, c'est bang, c'est bang, c'est bang! Alors. Alors. Ça, est-ce que ça va marcher là, si on fait ça? Tiens, con, ça marche pas là! C'est quoi ce bordel là? Ah putain, parce que peut-être. Peut-être j'ai pas. Ah ben oui, putain, je suis con. Vraiment con là! Je peux plus mettre de patates. Putain, ça marche toujours pas! Qu'est-ce que ce bordel là? Si on fait ça, si on fait ça. Ah! Voilà! C'est quand même plus sympathique là, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut. Putain. Attendez, toutes les patates là. Fallait des bouteilles de lait aussi, m'a dit. Hein. Faut que j'aille réparer le camion. On se voit qu'on est toujours assuré aussi. Bon, il fallait 5 bouteilles de lait, on va en prendre plein. Ah, ça fait plus professionnel maintenant là, avec ma carte de visite et tout. Regardez, pas de Newless Brother, putain. Sympathique. Soleil là, ça fait du bien. Ah oui, ah oui, faut qu'on mette le logo là sur le camion. J'ai combien de bouteilles de lait? 5. On va en garder un peu pour nous. Surtout que j'ai 50 000 balles. On va pouvoir mettre un petit peu sur le camion, je pense. Je passe le permis avion aussi, c'est clair. J'ai besoin de quoi d'autre? Faut que j'appelle Jackie là. Voilà, c'est... toutes les patates.
On va aller customiser le véhicule. C'est vrai que peut-être transporter les saucisses en avion, ah, il va pas être bon du top. Voilà. Des avions qui passent ici en plus. Tiens, j'ai trouvé une pièce d'un dollar. Je vais la poubelle, rien à battre. J'ai encore de la pommade. C'est bon. C'est bon. Je peux peut-être prendre les 100 patates directement. Ah non, il y en a 300. Putain, j'en ai récolté 300. Ça fait beaucoup. Ça, on fait R au saucisson. Qui est toujours la boîte de Viagra. Et y a les bons, elle se custom. Putain, je suis con. Tout à l'heure, quand j'ai customisé ma bagnole, j'aurais dû prendre ça. Ce truc de merde là. Allez hop. Ok, une... Oh putain, je me suis fait un croche-patte avec la poubelle là, putain. C'est mal. Attendez, je dois appeler Jackie. Qu'est-ce que tu fous causer? Qu'est-ce que je branle là? Oh! Ouais. Et putain! Putain! Arrête de t'asseoir là! Oh! Mon cerveau, des fois, il déconne, hein, je comprends pas. Ouais, Jackie! Attends, c'est... je baisse la radio! Oui, qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est bon, j'ai récolté les patates, le lait, les fraises, je fais quoi? Je t'entends plus, t'as encore du coup le seul. Ah, bordel, putain, mais c'est mon doigt qui arrive, excuse-moi. Là, je disais, je ramène les 8 tonnes de farine. Ok, parfait, on a besoin de rien d'autre, c'est bon? Bah après, faut que tu butes tous les animaux que tu croises, hein. Ah, oui, c'est vrai, attends, je voulais aller réparer le van un coup et après je fais ça. Bah attends, attends-moi, je vais aller en ville après. Ok, pas de soucis, je t'atteins, comme ça je t'amène. Allez, ça marche, à tout. À tout de suite. Attendez, faut qu'on trouve le LS Custom, mais c'est ça le LS Custom. C'est lequel qu'il faut pour mettre le flocage? Mais c'est que sur le camion, hein? Je sais plus. Attendez, on va aller voir l'aéroport, hein, il me rappellera. Il est de retour, il a la farine, je vais l'aider à décharger. Quoi, il ressemble à l'aéroport. Il m'a pas montré la petite villa, connard. Il s'aime pas l'aérodrome. Peut-être faire un tour au discretos en avion. Ce n'est pas un avion, vous en déconnez. Pas un avion qui traîne. Putain, c'est compliqué d'atterrir ici quand même. Il n'y a pas d'avion. Chier. Mais du coup, on va pouvoir ranger des avions par ici. C'est intéressant. La piste est courte, faudra qu'on prenne un petit hélicoptère.
Voilà la maison. On a vraiment pas montré, hein. Là-bas derrière, je sais pas, j'attends. C'est bon, y'a rien. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ah, attendez, est-ce qu'il y a des cochons, des vaches? Tu sais, il en faut beaucoup, hein. J'ai envie d'aller les chasser chez Donatello, et il y en a plus. Il est peut-être pas chez lui, hein. Il y a besoin de vaches. Il y a qu'ici qu'on a des vaches. Mais je vois pas des animaux, là. Ils sont où, les animaux, là? Merde! On a trop buté. Peut-être plus beaucoup, hein. Peut-être en faisant le cri de la vache. Meuh meuh meuh. Et où la vache? Parce qu'on a envie d'aller dans le domaine viticole. Peut-être loin avec son camion, hein. Qu'est-ce qu'on fait? On va jeter un œil, voir s'il y a un peu plus de cochons là-bas. Tiens, il y a des avions qui passent. D'aller faire un tour au domaine viticole. Il est où son domaine? Ah putain, il est loin quand même, hein. Putain, d'aller tout là-bas, non, c'est trop. On va attendre tranquillement ici. Oh! Oh! Je le savais. Oh, le cul du cochon! C'est bon, tu te lèves pas. Un coup pour le cochon. Patrick, ouais. j'ai un problème, il y a des gens qui m'emmerdent sur la route. Putain, il y a un avion qui vient d'exploser. Qu'est-ce que c'est ce bordel là? Mais attends, mais moi c'est bizarre, il y a des gens qui me fonçaient dessus. Bon, c'est bon, ils se sont arrêtés. Attends, comment ça, il y a un avion qui s'est écrasé? Il y a un avion qui vient d'exploser derrière moi. Attends, je vais aller voir. Attends, j'arrive, je suis à la ferme là. Vas-y, viens. Oh, putain, quoi, c'était quoi ce bordel là? Mais non, mais putain, non, je vais pas me cacher là, oh, je suis pas un glin là. Viens. Grimpe, viens, on va voir l'avion, grimpe, vite. Ah putain, mais attends, faut que je ferme le capteur. Ferme le camion. Tu te dépêches ou quoi là, putain de merde? C'est bon, il est fermé, allez viens. C'était où? C'est juste derrière, à l'aéroport, il y a un truc qui a explosé là-bas. Non mais si tu veux une blague, j'étais sur la route, tu sais, j'ai mis ma radio. Ouais. Et en fait, je klaxonnais, tu sais, pour rigoler. Et il y a un mec, il a hyper mal pris, il a commencé à me fausser sur le véhicule. Complètement barre de roue. Oh putain, mais attends, c'est... C'est quoi ce rassemblement toxico là? Attends. Ah mais c'est sur notaire ça, tu sais? Oui, c'est pour ça, et c'était par là, je sais pas. Il est tombé où le con? Bah y'a rien, qu'est-ce que tu m'as. Toi tu. Mais si, je l'ai vu, tout le monde l'a vu. Et j'espère que t'as pas sniffé la farine, hein. Non, je te promets, j'ai pas pris de la farine. Mais y'a rien, qu'est-ce que tu racontes? Patrick. Il faut qu'on discute là. Y'a un putain d'avion qui a explosé. Attends, je suis pas fou. Tu prends des choses? Tu prends non, des. Non, j'ai filmé avec mon téléphone, je pourrais te montrer. Ah, tu m'inquiètes, Patrick là, hein. Patrick, tu m'inquiètes. On s'est dit qu'on restait sain d'esprit. Qu'on faisait pas d'excès, et là tu me dis qu'il y a un avion qui tombe, y'a pas d'avion. Mais si, y'a un avion qui a explosé. Oh putain, y'en a un autre ici. Ah bah c'est peut-être. C'est sûr qu'il a explosé, puisque là il part, hein.
Non, 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 j'ai... Ah, il s'arrête. Lui, il s'arrête, mais j'ai vu un vrai avion exploser complètement. D'accord. C'était peut-être un peu plus près de chez nous, je sais pas. D'accord. Bon, écoute, on a la farine. Tu vas déposer 16 tonnes de le stockage. Comme ça, ce sera pour la réserve pour Monsieur Denis. What? Qu'est-ce qu'il faut? Je sais pas, qu'est-ce qu'il faut sur nos terres? Viens, on va les engueuler là. Ils ont rien à foutre ici, les petits là. Ouais, j'avoue, bien. Je sors le fusil s'il faut. Ah, messieurs! Oh, les hippies là! C'est terrain privé ici! Ah, vous allez dégager là, ok? Allez, on circulait! Toi aussi tu dégages là, allez, dépêche-toi! Allez, dépêche-toi! Cours! Dépêche-toi. Cours ou je t'en mets une! Cassez-vous les hippies, cassez-vous! C'est des merdes! Y'a plus de respect, c'est moi qui te le dis! Oh putain, y'a une vache! Oui, il a vu une vache aussi. Mais je suis pas fou, j'ai vu un truc, mais je sais pas où c'était exactement. D'accord, j'ai vu un truc se cracher, hein. Tu fais un deuxième coup, vachounette? Ben. De la bonne viande, c'est agréable. Oh putain, un cochon! Oh putain, depuis que Jackie est revenu, les animaux sont de retour. Mais genre il se relève là. Oh, tu restes par terre, oh là, tu t'es pris pour qui? Ça va, il donne bien. Oh, faut qu'il me fasse visiter là. Allez, on va ranger tout ça. J'ai perdu la portière, fichier, faut que j'aille réparer. Tu vis de la farine? Attends. Je te donne plus, Jackie. Je disais, je vais ranger la farine. Ouais, ok, je range là, j'ai une vache, un cochon. Ouais, j'ai oh putain, y'en a trop vache. Je pense que le plus galère, justement, ce sera la viande. On a un peu de retard sur la viande. T'inquiète, nana, y'en a pas mal. Regarde, y'en a une qui se présente à nous là. Putain, comment j'ai pu la louper la merde? Reviens là le cochon, tu vas où? Idiot là. Ouais, c'est pour réel là, ouais, on est sur un chemin de chasseur là, qu'est-ce que tu viens m'emmerder là? C'est couille ça. Passe près d'un chemin de. D'un terrain de chasse et après ils se plaignent. Non mais oh, c'est quoi ces paysans là? Oh. Pas nous les paysans au final, c'est eux là. Ah, tu te lèves pas, tu restes couché, toi. Putain, j'ai récolté plein de viande. Nice.
bien joué. Il nous faut les pommes de terre, t'as pas fait les pommes de terre? Les patates, si j'ai fait les patates, il y a 300 patates, tu te fous de ma gueule ou quoi? Ah, je les ai pas vues. Je suis aveugle ou quoi? Ah oui d'accord, c'est un peu plus bas, d'accord, oui j'avais pas vu, oui d'accord. Ok, donc on a le pain, on a les patates, on a les fraises, on a le lait. Bah, combien reste... de viande? Attends, je dépose tout à la viande là, c'est bon. Écoute, pour la viande de cru on est bon. Il nous faut encore, ah, il nous faut encore 5-10 viande de porc. T'inquiète, on va les avoir. Hein. Ne le veux pas. Pas coucher les connes. Parti où Jackie là? Ting, tu m'as fait peur. One shot. J'espère que tu vises la tête, hein. Ouais, je vise la tête pour qu'on ait meilleure qualité. T'as le truc en parfait état. Meilleure qualité, t'inquiète pas. T'es ta femme ou Jackie? Non, Patrick, pardon, c'est moi, Jackie. C'est bon, j'ai pris des burgers, mais par contre, faut pas que. Tu sais quoi, je vais les déposer parce que quand je prends trop de burgers, j'ai mal au pied. Tiens, c'est pour le dessert. Oh! Parce que merci. En fait, ouais, tu verras quand t'as fait mal genou, tu verras, ça redonne une force. Et moi je bois du lait aussi, je me suis mis au lait, c'est mieux. Ah j'avoue que ça peut être pas mal aussi, ouais. Quand on arrête les burgers, c'est vrai que j'ai commencé à prendre du bide. Putain, on a 193 au saucisson. Ah c'est vrai qu'il y a la pièce d'$1 que je voulais jeter là. Qu'est-ce que... Ouais. Les t-shirts là, qu'est-ce qu'on garde ça, ça bat les couilles. Il y en a pas mal de choses, hein. Toute la viande qu'on a là, pour l'instant tu la gardes, fais pas de saucisson pour l'instant, hein. Non, je garde tout, on a des nez... On mettra de côté, puis on mettra ça dans le van, et puis on verra un message au gars. Ça sent de farine, c'est bon. Ouais, c'est ça, le farine, c'est nickel. Ah, tout en fait, on a plus que le porc au cru là. Viens, on va chez. Tu sais qu'il y a plus de porc chez Montabizac là. Viens, on va chez lui. Donc, on est chez Montabizac, je prends des croissants et des pains au chocolat. Comme ça, au pire, s'il vient, je lui dis, bah tenez, monsieur. Ouais, attends, je viens. Juste que je jette 2-3 trucs. Pitié. Ouais, chaque fois il se bloque là. Ah, c'est les bombes. Il reste des trucs là dedans. Ça, j'ai pas de véhicule devant moi. Ah, j'ai pas la clé. Jackie! Patrick? Ouais. J'attends pas Patrick, mais je dois faire une petite sieste. Je monte dans la voiture. J'arrive. Ok, vas-y. T'inquiète, pas de soucis. Je t'emmène chez Montbazillac. Je vais réparer la bagnole au passage, t'inquiète. Bonne sieste. Attendez, on peut réparer la bagnole. Ah, on peut réparer. Parfait. Une bonne récolte, ça. Oh putain, la vache, ouais, c'est pas grave, on a pas le temps de la buter. Vous une cochonne. En tout cas, une bonne récolte, ça fait plaisir. On va se mettre plein les fouilles. Le business fonctionne bien. Putain merde, je me suis tombé. Oh, je voulais mettre le klaxon. Putain, j'ai mal. Oh, j'ai mal, j'ai besoin. Oh.
Attendez, attendez, est-ce qu'on prend une petite pommade? Oh, il va falloir que j'aille tousser la petite trousse de secours. Pitié, c'était pas ça. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Bah, c'est pas grave, je vais aller chercher tranquillement une petite trousse de secours, ça ira mieux. Attendez, c'est qui? Oh, c'est Tom! Oh putain, d'ici une heure, je vais lui dire, il y aura peut-être Jackie. Je serai pas là. Oh putain, j'ai mal. Oh. Mais désolé, j'ai raté ma sortie là, oh! Quoi son numéro à Jackie? C'est bien. On va chercher une petite trousse de swing. Parce que là... Ouf. Putain, elles sont où là? Oh putain, j'ai mal. Putain de merde. Je peux l'utiliser sur moi-même? Ah putain, ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. Allô? Ouais, Jackie! Ah, excusez-moi, j'ai fait une petite sieste. Non mais attends, on n'y est pas, reviens dans la voiture. Ah putain, mais je pensais que t'étais parti, moi. Non mais attends, faut que je te raconte. Ah dis-moi. Ah putain, j'étais parti, et puis ouais. d'un coup là, j'ai voulu appuyer sur le klaxon, et tu sais, regarde, j'ai un petit problème avec ma portière. Ouais, je vois ça, putain. Et en mettant le bras pour appuyer sur le klaxon, il y a eu un courant d'air et je me suis envolé du véhicule, et du coup j'ai eu un peu mal. T'as un peu mal, du coup t'as pris une trousse, hein? J'ai pris une petite trousse, ça va mieux. Ça. Ok, j'ai quand même bref. Je me sens beaucoup plus frais, mais là, bah voilà. Du coup, je mets ma ceinture. Ah, vous m'appelez, moi aussi. Écoute, j'ai fait une petite sieste, j'ai fait un rêve qu'un mec venait me livrer mes courses avec 1h30 de retard. Oh putain, incroyable, incroyable. Donc, ça fait plaisir. Ah, ça fait giga plaisir. Écoute, on va aller chasser les cochons et après, je t'avoue, je fatigue un peu, je vais faire une petite sieste, je vais passer une grande sieste. Ça marche. Tu vas recevoir un appel de mon petit neveu aussi, donc. Ah oui, bien sûr. Après, il est là, je sais pas s'il est là, Donatello de Montazac, là. Je sais pas s'il est là aujourd'hui. Je sais pas s'il fait la sieste ou s'il travaille. Ah, je sais pas. Après, je me demande s'il a son collègue là, Fab, je crois que c'est Fabien. Ah ouais, Fabien. Enfin, qu'on le rencontre ce mec-là, on l'a à peine rencontré. Ouais, en plus il a l'air le plus sympathique. Ouais, ça a l'air d'être un bon gars, ouais. Ah putain, je voulais prendre un truc, j'ai oublié de le prendre, quel con. Voilà. C'est pas grave, je ferai ça plus tard ce soir. On va juste chasser du cochon. C'est parce que dans le coffre, on avait des bonnes de réduction, tu sais, pour le LS Custom. Ah oui, j'oublie à chaque fois de le prendre. Est-ce qu'on a vraiment besoin de réduction? Pas vraiment, là, avec ce qu'on va vendre. Bien sûr. Oh, je t'ai dit que j'ai acheté un petit appartement. Comment ça? Mais tu m'as même pas dit. J'ai fait le tour, acheter une maison. Non, mais il y avait plus de maison. Il y avait juste un petit appartement avec vue sympathique. Du coup, je me suis fait un petit plaisir. Après, faudrait voir s'il n'y a pas des lofts ou des trucs comme ça. Ah, vas-y, hop, nickel. C'est là, c'est nickel. C'est l'autre côté. C'est pas vraiment un loft, mais ça y ressemble un petit peu. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ah, attends, je regarde. Enture. C'est bon, j'ai réparé le véhicule. Je sais pas trop, il faut que je regarde ça. Où est-ce qu'il a mis ça?
sais pas. On est peinture, hein. Je l'ai pas trouvé, moi. Je sais pas si tu peux le là-dessus. Oh putain, regarde le blanc, comment il rend bien. Je le vois pas, mais vas-y. Tu vois pas les bandes blanches, là? Non, je le verrai qu'à la fin. Ah bon? Ah, peut-être je pensais que tu pouvais voir. Ah, attends, faut que je regarde dans les couleurs primaires, je pense. Où est-ce qu'il a mis ça? Je sais pas, moi je l'ai pas vu tout à l'heure, hein, il faudra lui demander. Oh, je t'ai pas dit, tiens. Dis-moi. Tu sais que tu peux changer le fond d'écran de. Mais je l'ai fait, j'ai mis une photo qu'on avait fait, tu sais, au bord de la mer avec un verre de pastis. Ah, et ben si jamais tu veux être corporate, tiens, je t'envoie par téléphone le lien. Oh, moi je voulais quand même mettre les petites photos de vacances fraises, tu vois, parce que ça me manque quand même. Je comprends. Attends, mais comment me fait? Ah, c'est pas grave, viens, on va chasser le cochon. Attends, il faut quand même que je vérifie. Hop. Putain, oh putain. Attends, faut que je. Attends, mais elle est pas réparée la bagnole? Ah, c'est bon. Si, elle a été réparée là. Ouais, nickel. Bon, vas-y, c'est pas grave, faut que je vois. Bon, attends, on est vraiment à LS Custom là? Putain, pourquoi c'est plus réparé là? Non, mais pourquoi ça casse? Vas-y, rentre dedans et refais. Laisse-moi réparer. Vas-y. Je suis pas sûr que ça soit là pour. J'ai mis un repère, attends, c'est pas ça, hein. C'est juste que je regarde. C'est autre chose, viens, on va chercher. Ouais, vas-y, fais ton truc, moi je le regarde. Mais il y en a plusieurs, je sais pas lequel il faut là. Mais je sais bien, mais le problème c'est que. Je crois qu'il faut un truc spécial. Pour ça, je le regarde. Écoute, je suis pas sûr, hein. Je vois pas où est-ce qu'il faut qu'on aille de spécial. Ah, je sais pas, ça doit être un magasin spécial, on redemandera. Ouais, oh, y a Monsieur Harris, tu sais la brioche. Oui. Pour le vin contre le saucisson. Il m'a. Ouais. Eh ben écoute, il m'a dit dans une heure, il serait disponible. Je vais lui donner ton numéro de téléphone. Ça marche. Bah, de toute façon, je vais rester avec le van pour un petit tag. Voilà, et comme ça, si jamais il t'appelle, tu peux faire l'échange, tout est dans la ferme. Ouais, bien sûr. Je peux lui donner du vin, tu gardes quelques bouteilles quand même pour les dernières. Ouais, bien sûr. Mais après ça, tu vois, je vais faire ça, on fait l'échange. Après, je vais voir pour terminer la commande de monsieur de Nice. Ah oui. Et après, j'irai voir pour passer le permis pour les avions. Oh, et à 20h, il y a l'église. Surveille la marchandise. Ah oui, c'est vrai. Pas des conneries sur les fraises parce que je sens que ça sent l'embrouille. J'espère pas me faire marteler la gueule surtout. Et tu leur diras que les fraises, il n'y avait pas de soucis, que c'est une tentative pour détourner notre business. Qu'il y en a qui sont jaloux, hein, parce que. Bien sûr. Maintenant qu'on a des belles voitures, mais je pense que c'est. On peut dire que c'est. Ils ont tenté de nous empoisonner la course cycliste déjà, donc. Ouais, c'est ça, exactement. Mais j'ai cru entendre que déjà, ouais, nous voulaient parce qu'on avait gagné la course, que c'était un certain. Comment il s'appelle Comment il s'appelle le collègue de Johnny là, tu sais, les boueurs. J'ai oublié comment il s'appelle. Ah putain, oui, les boueurs. Tu sais, celui qui était sur la ligne d'arrivée qui devait avoir gagné alors qu'il a pas couru. Ah ouais, alors qu'il a triché. Ah, j'ai oublié son nom. Mais du coup, il y a des gens qui nous en veulent par rapport à ça. Et puis bon, voilà, c'est la merde. Tu sais ce qu'on peut faire? Moi, je vais aller voir s'il est là, le Fab. Je vais aller le voir, je vais faire connaissance avec lui, je vais donner des pots aux chocolatines. Et toi, tu vas derrière et tu tires sur tout ce que tu vois. Et je chasse le couche-up. Bien sûr. Ah, qu'est-ce que c'est, ce qu'il y a du bond? Pas apprécié, ouais. Alors, eh bah écoute, on arrive à la bonne heure. Oh, ça que ton van il a une gueule. Je le verrouille. Bien sûr. Viens, on va voir. On va voir dedans. Bonjour. T'as calqué? Putain, c'est pathique la décoration, hein. Ah mais c'est un autre monde, franchement. Écoute, je crois qu'il y a personne, hein. Je pense qu'il y a personne, on va pouvoir se faire plaisir. Putain, tu crois que je peux shooter une de ces trucs dégueulasses là? Tiens, regarde sa bouteille de bain là. Allez hop. C'est bon. Bah, on a rien vu. Oh, j'en ai un. Oh putain, il est toujours sur le toit là, celui-là. Un peu compliqué, hein, pour l'avoir. Viens, on va dans les vignobles.
Tu vois du saucisson toi? Non, pas encore. Mais le seul truc, c'est qu'il faut laisser celui qui est sur le toit. Il est sur le toit, apparemment, faut le laisser. Non, non, on touche pas, de toute façon, on peut pas aller le récupérer. Non, mais viens, je vais aller en face, moi, voir s'il y en a en face. Et on peut pas prendre de raccourcis dans ces vignes de mort là. Bon, je vais essayer de trouver un ou deux saucissons. Un ou deux cochons. Après j'irai faire une sieste parce que je fatigue, hein, très fatigué. J'ai surtout mon neveu là. Il va revenir de l'école, qui va vouloir appeler son oncle. Oh les cochonous, vous êtes où là? Ah ouais, il y a toujours un prêt de la propriété. Pourquoi ce bip bip là? Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, ça va, ça va, ça va. De toute façon, j'ai un alibi, c'est besoin. Pas de panique, pas de panique. Tu veux quelque chose, Jackie? Il a pas vu le coffre. Putain. Maçonner là, Patrick, voilà. C'est bon, je le prends, je le prends. Ah non, prends-le, prends-le, prends-le. Prends-le, prends-le. En tout cas, au cassis de jet sur la propriété. Ah ouais, j'ai cru voir une voiture, mais je ne suis pas sûr, je crois que... Putain, mais c'est de la couille, les sangliers, ça donne pas grand-chose, on peut pas aller chez nous. Ah putain, bah si ça donne rien, on retourne chez nous, hein. Ça donne que dalle? Non mais ça donne de deux portes, c'est ce qu'on a besoin, mais bon... Ça donne pas beaucoup? Les chez nous, ils sont aussi dodus, tu vois ce que je veux dire. Ah putain, ben viens, viens, on rentre, c'est de la merde alors. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu... Pourquoi j'ai plus de portière? Qu'est-ce que ce bordel? Je vais réparer la voiture mais ça marche pas. Il est où Jackie? Allô? Ouais, t'es où Jackie? Ben je recherche le col et sanglier. Non mais viens, viens, on rentre au domaine, ça m'arrive, nos cochons ils sont plus dodus, là c'est de la merde, en plus ils sont empoisonnés je pense. C'est vrai que la viande elle avait une gueule assez bizarre. Elle avait une couleur bizarre, elle pue la merde, elle pue la vinasse, c'est pas bon, c'est pas bon. Non, j'aurais bien aimé rencontrer ce phare, mais bon, c'est pas grave, on le verra c'est plus tard. C'est pas grave, on viendra, on aura son numéro je pense. Ça marche. Je t'appelle devant le domaine, devant le domaine. Ah oui d'accord, bah j'arrive. Par contre, elle va, allons réparer le van parce que là vraiment il est sale gueule. Mais je le répare, mais ça marche non, pas. Tu l'as mal fait, tu l'as mal fait. Non, mais je passe, il faut être tout seul dedans, tu vas le réparer. Tu veux qu'on aille faire quoi pour terminer? Moi je rentre à la ferme là. Tu rentres à la ferme, ok, ça marche. Comme ça je dépose tout ce que j'ai et je te laisserai chasser pendant ma petite sieste, ça sert à de pas me réveiller. Hein. Ah bah écoute, mets les boules aux pieds, c'est. Bah je passe ce que je vais faire. Vous avez vraiment comme des glands ici, hein. Mais bien sûr. Oh la ceinture, oublie pas. C'est fait, t'inquiète pas, j'y passe maintenant. Pas envie de faire de coma, ça réjouirait trop de gêne. Totalement. Mais putain, les affaires marchent bien, en tout cas, ça fait plaisir. Bah écoute, ouais, j'espère qu'il y aura d'autres choses ce soir. Je te raconterai tout demain. Tu me raconteras et comme ça on mettra tout au point. Bien sûr.
Niveau SS, t'en as combien? C'est bon, les 3 quarts play. Ah ok, parfait. Ouais, tu vois, ce klaxon était marrant au début, mais j'en peux plus, parce que en tout cas, celui-là, ça me rend fou. Ah, t'aimes bien m'emmerder, ça je te reconnais bien. Ah ouais, pas mon frère pour rien. Ah, c'est bien vrai. C'est vrai que, par contre, je sais pas, t'as vu le klaxon de ma nouvelle voiture, ça fait... C'est quelque chose, hein. Ça fait très 22 saucisson. Bah, ça fait très richou, hein. Moi, je vais peut-être m'acheter une nouvelle moto, c'est prendre le modèle maximum. Hein. Ah putain, elle est incroyable, je crois que je l'ai vue, mais fais-toi plaisir. Ah bah écoute, l'État nous paye bien, donc on profite, hein. Les aides de l'État, le cash prize de la course de vélo. Attends, en plus, je t'ai pas dit. Oui. Hier, je suis allé m'acheter des petites bouteilles d'eau parce que j'avais soif. Ouais. Et j'ai acheté un petit bingo là, tu sais. Oui, le gratte-gratte. Tu m'as dit, t'es reparti avec une. Je t'ai vu, t'es ressorti avec une valise. Voilà, et bien, j'ai gratté un petit peu et j'ai eu les 3 télés. Alors après. Il fallait aller à une adresse pour les 3 télés, ouais. J'ai tourné la roue. Ouais. Et oh putain, je me suis pris une amende, c'est pas grave. J'ai tourné la roue et j'ai gagné, ouais. J'ai gagné 100 patates. Et 100 patates? Ah putain, du coup, c'est bon, ouais, je me suis fait plaisir en bagnole. Hein. Ah, tu m'étonnes. Hein. Ah, je me dis que l'État nous paye bien, donc autant profiter. Mais tu sais, hier soir, avant que j'aille me coucher, il y avait le docteur Traoult, tu sais, le mec bizarre. Ah ouais, ouais. Il est venu sur le chaîne. Bon, d'un côté, il m'a aidé parce que le camion était renversé et apparemment, il m'a dit que les médecins ils pouvaient retourner les véhicules. Oh. Donc, il m'a retourné le véhicule. Mais si tu veux, il était en mode, maintenant, il va falloir me payer pour dédommage, mec. Enfin, tu vois, c'était en mode, mais attends, tu te fous de ma gueule ou quoi? C'est un truand. Écoute-moi. Le truc, c'est qu'il m'a dit, vous savez, on n'est pas très bien payé en tant que médecin, mais tu sais comment il est arrivé? Il arrive en hélicoptère personnel. Il ose me dire qu'il est pas bien payé en médecin. Non mais on se fout de ma gueule ou quoi? Non mais s'il veut, on l'embauche, on le fait travailler. Non mais tu vois, je lui demandais hier combien il gagnait. Il m'a dit qu'il gagnait 6 sogs. J'ai dit, tu te fous de ma gueule ou quoi? Il y a du trafic. C'est en vendant sa chloroquine là, ou je sais pas quoi. Non mais là. Surtout, attends, comment tu peux acheter un hélicoptère en faisant 6 sogs? On est où là? C'est pas possible, là. La plèbe, j'achète pas une Tesla, tu te doutes bien. Putain, regarde, il y a un tracteur. Oh, il y a Jean-Marc. C'est Jean-Marc. Jean-Marc, oh, on le laisse ouais, ça, le mais c'est un mec qui vient de Tosentum, mais il ne demande pas de salaire, il veut juste s'amuser dans le tracteur. Du coup, je lui dis, vas-y, fais ton plaisir. Ah, exactement. Bon, écoute, hop. Allez, hop là. Cher Jackie, moi je vais faire une petite sieste. Bah, ça marche. Je te laisse les rênes de la maison. C'est parti, le business, hein. Le business avant tout, je te fais des bisous. Allez, bisous, dors bien. On va faire une petite sieste sur cette chaise là, ça sera bien. Voilà. C'est compliqué. Ah voilà, on va faire une petite sieste là. Eh bien écoutez, moi je vais partir une sieste, je vous fais des bisous et puis je vais faire une grosse sieste, je me réveillerai demain matin. Demain soir plutôt, demain soir un peu avant 21h. Et des bisous, des bisous.